Je dis à mon âge, c'est OK là. Hein? Allez. Bon, avant tout, désolé pour cet irritard-là. Et bonjour et je vous souhaite la bienvenue à tous mes camarades de la presse et surtout tous les gens qui me suivent nous, nos réseaux sociaux. Comment on peut trouver aujourd'hui, mon poète épaulé pour sa conférence de presse du gouvernement par mes collègues, des camarades. L'honorable Subhashini Lakshman Roy et l'honorable Kavi Doulob. Principalement, aujourd'hui, nous pouvons aborder trois thèmes. Bien sûr, le rapport Britam, mais également les amendements qui sont apportés par le Finance Act par rapport à la mise, par rapport à la création d'une Horse Racing Division, la GRA, mais également les incidents qui sont survenus au courant de la semaine dans le Parlement. Par rapport au dossier Britam, nous suivons un petit peu les commentaires et réactions de bonne partie de l'opposition cette semaine. Mais quand même, j'ai besoin de dire que le Parti travail est au moins reconnaître que le rapport est crédible, que les findings de ce rapport-là sont crédibles. Ce qui donne raison au gouvernement qui finit de mettre en place sa commission d'enquête-là pour faire la lumière sur une transaction qui nous qualifie de louche, une transaction qui nous qualifie de douteuse, une transaction qui, comment nous trouver, selon le rapport, selon les findings, qui a beaucoup d'affaires qui ne déroulent pas correct, c'est une transaction not in order. Mais quand même, ou bien souligner que le Parti travail, le leader, hier, pendant sa conférence de presse, il fait une déclaration qui est assez confuse. Il dit, oui, il est d'accord avec le juge demain, mais par contre, il n'est pas d'accord avec son assesseur. En l'occurrence, il cause M. Sator Hadji Abdullah. Nous devons comprendre que sa commission d'enquête-là, c'est une commission d'enquête qui ne fait loin de sujet qui est très complexe. D'une part, il cause la vente de ben action d'une compagnie qui cotait en bourse au Kenya, mais également, il concerne un sujet qui dépasse nos frontières, qui concerne ben les autres juridictions. Et alors, pour capable faire une commission d'enquête ou capable gain ben Jimoun qui capable venir écouter ben témoin et faire ben findings, faire ben recommandations. L'enquête pareille, nous besoin ben Jimoun avec qualification, nous besoin ben Jimoun avec ben connaissance profonde du sujet. C'est la raison pour laquelle choisir Sator Hadji Abdullah comme un ben assesseur de sa commission-là. Il ne faut pas oublier, nous, quand nous pouvons Sator Hadji Abdullah, nous pouvons aussi Grant Thornton, qui est quand même une boîte, une firme internationale de réputation. Mais les malheureux aujourd'hui qui n'y a pas. Qui sujet qui est là, l'opposition, Parti travailliste, ramène le sujet à la politique. Sa commission d'enquête-là, t'y mettez surtout pour faire la lumière, comme on dit, loin de transaction, et surtout pour, dans l'intérêt de votre policy holders. Nous connaissons pas un milliard, comme un PRD. Et la réalisation de sa bonne action-là, la vente de sa bonne action-là, il fait dans l'intérêt de sa ben policy holder pour assurer qu'il nous capable vendre ben action, gagner sa recette-là et par la suite faire la distribution. Mais dans les circonstances qui les choses viennent passer, c'est important qu'il fasse sa commission d'enquête-là. Comme on me dit encore une fois, l'intérêt de sa ben policy holder-là, l'intérêt de la population. Alors, il n'est pas correct qu'il ait tout sujet. Venir faire politique, si ça cause ou pas contenter le Djimoun, si ça cause ou pas d'accord avec le Djimoun. Et même, combien PNQ, combien PQ une posée, combien questions une posée dans le Parlement, l'OBAI. Aujourd'hui, même, zis à cause d'un protagoniste qui est cité dans le rapport, fait partie du même plateforme, de toute l'alliance, aujourd'hui, ben, vient prendre une position par rapport à la commission d'enquête, par rapport au rapport, zis pour donner l'espoir sur un partenaire. Aujourd'hui, l'intérêt, encore une fois, de Ben Jimoun qui ne perdit la monnaie d'or,
Super cashback gold. L'intérêt politique peut primer l'intérêt, ça vient du monde là. L'intérêt de la population peut primer. Sorry, l'intérêt politique peut primer l'intérêt national aujourd'hui. C'est ça la politique selon l'opposition. C'est ça la politique selon MMM aujourd'hui. Tout être mis de côté, besoin de protéger ou partenaire. Besoin de sécuriser ou l'alliance. Malgré qu'il, dans le passé, tient une prise de position assez forte, assez sévère par rapport à BAI. Moi, je dis malheureux. Les malheureux qui, comment me dire, toutes les affaires doivent être ramenées à la politique. Là, nous ne pouvons faire qu'apprendre là qu'il y a une action qui doit être rachetée par Peter Munga. C'est une action-là qui est revendue à un prix beaucoup plus élevé. Encore une fois, il redonne raison au gouvernement qui s'amène à action-là, qui bradait à l'époque, qui vendait à un prix beaucoup, beaucoup moins que sa valeur actuelle. Quand une compagnie cotée, il y a une valorisation de son action. Il est facile de déterminer la valeur. Et quand sa même action vendait à un prix inférieur, même la moitié de sa valeur réelle, alors, et aujourd'hui, quand on a une revente de sa main action, là, nous trouvons ben chiffre à laquelle, ben chiffre beaucoup plus élevé qui s'est acheté dans le passé, nous trouvons dans la réalité, nous trouvons dans le concret qu'effectivement, la transaction qui t'y fait comme une braderie. Tu peux brader ben chaise, juste pour capable faire une transaction. Maintenant, la motivation pas derrière, c'est celle qui nous vous a déterminé aujourd'hui. Ben findings là aujourd'hui pour être repris pour ben l'enquête pour ben institution afin d'assurer qu'il nous fait la lumière sur le dessus de toute sa transaction, tout sa déroulement et tout ce qui nous déroulait dans l'affaire la vente action Britam. Il est important que la population connaisse qui ne passait dans sa transaction là. Il est important que ben policy holders Super Cashback Gold connaît qui ne passait dans sa transaction-là, il est important pour la population connaît qui ne passait dans sa transaction-là. Comment dire, l'opposition aujourd'hui, sa motivation, c'est purement politique. Nous pouvons guetter comment je peux agir dans le Parlement même. Là, récemment, il passe la loi. Le finance bill peut faire summing up pour le vote la loi. Le DPM peut faire ce speech. Le premier ministre peut faire ce speech. L'honorable Padeachi pour faire ce summing up et nous pour passer au vote. L'opposition qui décide pour faire. L'opposition décide pour faire un walkout, pour boycott un speech important. Parce que vous connaissez, quand il passe la loi, il y a un débat pour que chaque parlementaire gagne l'occasion, chaque parlementaire gagne la chance pour venir débattre, venir faire ce même suggestion, venir faire ce même recommandation et donner son opinion par rapport à un texte de loi qui peut être présenté au Parlement. Mais quand on arrive à un débat important, quand on arrive à une étape importante, on veut dire qu'elle passe au vote, quand on a un quand nous peut donner l'occasion à Nonora Padeachi pour venir clarifier certains bons points, venir donner une explication aux bons points que l'opposition a soulevé pendant les débats, qu'ils ont fait, walk-out. Je parle même un respect pour les travaux parlementaires, je parle même respect pour le décorum du Parlement. Ils soulèvent beaucoup d'interrogations, l'OGOI. Nous connaissons un même qui s'opposition à là. Nous connaissons qui fait l'INRE, ça mène interrogation là. Nous connaissons Paul Béranger qui fait l'INRE, ça mène interrogation là. Mais quand il arrive là, pour que ce soit pour le Premier ministre ou l'Honora Padeachi, vienne de même clarification par rapport à ça, je vais faire walk-out, je vais bout de les travaux, je vais aller. Je pose moi la question aujourd'hui. Quand nous faisons discipline dans le Parlement, est-ce qu'il n'est pas important que l'exemple vienne de l'opposition? Que les membres de l'opposition assument cette responsabilité. Il est important que chacun assume sa responsabilité par rapport au travail qu'ils sont supposés faire.
Nous, nous là, tous mes collègues, nous là, nous écoutons l'opposition quand je fais un ben discours, nous écoutons quand je fais un ben, débat, nous présents, nous attentifs, nous prenons note. Et c'est l'ALM qui nous vient nous donne nos réponses. Mais en retour, le respect, c'est dans le deux sens. Nous, et n'a le respect vis-à-vis de l'opposition, nous là, nous assumons nos responsabilités pleinement dans l'hémicycle, même en dehors de l'hémicycle, et nous attendons la même chose de l'opposition. Mais il est malheureux que l'opposition, quand il passe sa texte de loi là, je ne vais pas être présent, je ne boude les séances, et je te fais la même chose. Mais je te rappelle, l'année dernière, pendant le comité of supply, un exercice important, juste après quand nous passons le budget. Quand finit, on a tout ben débat, nous avons un comité of supply, que tout ben vote de chaque ministère passe à la loupe par les parlementaires, par l'opposition. Je te pose question, je te viens demander, parce que ça, nous devons ça. Nous accountable au Parlement, nous accountable à la population. Nous pouvons être capables de répondre à la somme qui peut être allouée à chaque ministère, à la vote qui peut être allouée à chaque ministère, qui ne fait avec casse l'année dernière. C'est nous devoir ça. Nos responsabilités, ça vient répondre au Parlement, vient répondre à la population. Qui l'opposition a fait l'année dernière? Je t'y décide pour faire walk-out. Un exercice qui durait pendant 3 jours, 4 jours, même 5 jours des fois. Tu es bouclé dans un temps à cause de l'opposition. L'une trouve les plis aptes au lieu qui viennent questionner les membres du gouvernement par rapport au budget qui peut être alloué au ministère, vous décidez pour faire walk-out. Aïla, pour vous, c'est quoi les travaux parlementaires? Pour vous, c'est quoi votre responsabilité vis-à-vis du Parlement? Pour vous, c'est quoi discipline du Parlement? Et quand nous pouvons, bien sûr, Finance Act aujourd'hui, comme on disait, il y a un amendement par rapport à la création d'une Rose Division de la GRE, et là, je vous permettre à mon collègue Kavi Dulob pour élaborer davantage sur le sujet et venir donner un petit peu plus d'explications sur le Rose Racing Division. Merci, camarade Arvinia Stilek. Amis de la presse, bonjour. Moi, pour cause, comment le ministre Stilek indique aux autres, un petit peu sur les amendements apporté à la GRE Act et surtout expliquer dans quel contexte qui ne pousse un gouvernement responsable qui n'a à cœur l'intérêt des courses hippiques à Maurice vienne avec sa banne amendement-là. Libon qui nous ferait une petite mise en contexte, un petit flashback en 2014. Avec une critique persistante qui tient à l'époque, le gouvernement d'alors décide pour mettre, pour instituer une commission d'enquête et nomme Richard Paris pour chair sa commission d'enquête. Là. Richard Paris soumet un rapport en 2015, un rapport qui, tout bon, du monde suivre les courses, quand get ce contenu, clairement arrive à la conclusion que c'est un rapport qui nous est capable de dire damning. Sur l'organisation des courses à Maurice, et là, pour reprendre un petit peu quelques extraits de ce rapport-là, qui mentionne entre autres qu'il y a une mal-administration dans la manière qu'il est course organisée à Maurice, because collusion, nous peut faire référence là à complicité dans l'organisation des courses à Maurice, corruption, conflit d'intérêts, l'existence de bandes clans, race fixing et plusieurs autres mauvaises pratiques par rapport à la manière qu'il est course type organisé. Ce même rapport-là, il aussi trouve pas mal de similarités dans un rapport qui était commandité en 1985 par M. Rowe, et même rapport Balgobin, rapport Glover, énormément de similarités dans ce qui rapport Paris trouvé dans ce band findings. Laisse-moi citer quelques-uns de ce band findings là. Rapport commission Paris dire qu'il y a un manque de clarité en ce qu'il s'agit qui s'en a sur responsabilité pour deal avec corruption dans les courses. Les causes
l'inhabilité de l'organisateur des courses parce qu'ils se peinent à une structure appropriée pour deal avec un issue qui est bien sérieux. Au fait, c'est ça même qui menace l'avenir des courses. À Maurice, c'est race fixing. Rapport là, dire l'organisateur, il peinant la capacité, il peinant les structures pour capable deal avec sa problème race fixing là. Rapport là aussi cause qui manque un contrôle sur les agissements de bande jockey, que ce soit jockey mauricien ou jockey étranger. Illegal betting, un lot mal qui paie ronge l'industrie hippique à Maurice. Donc, entre autres, c'est band findings qui rapport Paris trouvé. Alors, nous sommes réalistes. D'ailleurs, il n'est pas un secret pour personne que l'industrie hippique est un sujet à beaucoup de critiques dans le passé. Tout band stakeholders conscients de ça, je tout connais qui les courses demandent un revamping, comment nous dire, bien amener un autre modèle pour qu'ils nous capables de guetter l'avenir de cette industrie-là avec beaucoup plus de sérénité. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que l'assistance au centre de Moss, durant les dernières années, tient en baisse, voire même bonne recette. Alors, comme on dit au commencement, un gouvernement responsable, conscient que les courses est une activité populaire, une activité importante, gouvernement tibisant à agir. Et gouvernement finit à agir surtout pour sauver ça l'industrie-là, contrairement à ce qui certains peuvent faire croire. Gouvernement, une vigne de l'avant avec un amendement dans GRE Act, pour redynamiser GRE, parce qu'il y a un rapport précédent fait mention de ça, qui GRE est parti fit for purpose, et GRE pour désormais équiper avec beaucoup plus de pouvoir, avec une structure beaucoup plus dynamique, pour recruter ban professionnels qui ont extensive experience dans le domaine, pour venir avec un nouveau modèle. Je me rappelle qu'à un moment donné, GRE tient à peu près seulement 10 staff. Zodi nous peut causer au moins une cinquantaine. Et Bandimoun, comme on dit à Zot, qui ayant l'expérience dans le domaine hippique, qui peut faire partie de la GRE, surtout dans Horse Racing Division. Au fait, la mise en place de ce Horse Racing Division est inspirée par une des plus importantes recommandations, Commission Paris, qui propose mise sur pied d'une Horse Racing Division. Et là, il est important souligner, surtout quand on trouve certains dimons qui peuvent mener une campagne malsaine, mentionner que sa division, là, c'est-à-dire Horse Racing Division, opère en toute indépendance. Horse Racing Division peut seulement get ban regulatory and governance functions. Le responsable, doit une bizarre certainement prendre note dans la presse, du Premier ministre qui annonce l'IMAODI à ce discours, le responsable a été recruté, c'est un professionnel australien qui a plusieurs années d'expérience dans l'activité hippique, qui même dirige une institution très importante dans plusieurs pays à travers le monde, et tout cela peut faire dans un seul but, c'est-à-dire réorganise l'organisation des courses, revampe l'organisation des courses, vigne avec une structure adéquate pour que les courses, comment nous dire, retrouvent ce bon moment de gloire d'antan. À ce stade, laisse-moi réitérer ce que le Premier ministre fin annoncé mardi dans le Parlement, et contrairement à ce qui beaucoup d'un opposant Perrault fait croire, pas pour une aucune, m'aurait dit Ali, pas pour une aucune étatisation des courses à travers un amendement qui permettait dans le GRIA. MTCSL, pour continuer, occupe l'organisation des courses, c'est ce qu'on appelle Race Day Operations. Depuis l'apparition du programme officiel et jusqu'à la fin d'une journée des courses, MTCSL
pour continuer à faire ce qu'ils ont pu faire maintenant, entre autres, ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui pour la journée de course. Donc, nous rassurons, mon camarade Tuafis, que les amendements proposés lui donnent un seul but, pour protéger les autres l'intérêt. Il est important qu'ils nous protègent l'intérêt, qu'ils nous écoutent, mon concern, ban Tuafis. Sans Tuafis, il n'y a pas de course. Let's make no mistake about that. Ban amendement qui peut proposer, l'IP au fait, vin corrige ban faille qui ban expert fin identifié. Pour amener plus de transparence et faire de sorte à ce que les courses déroulent dans l'environnement de confiance, que l'intégrité, l'équité et transparence prévaloir. Or, c'est un peu le gist de cet amendement qui nous permet d'amener là. Éventuellement, c'était la bonne question. Après, nous pouvons faire un plaisir de répondre à une bonne question. Merci. Merci, Kavi. Maintenant, je vous demande l'honorable Subhashin Lachman Roy faire un commentaire sur le troisième thème qui est le Parlement. Merci beaucoup, camarade Avinash Tilak, camarade de la presse. Bonjour et surtout, merci pour votre présence aujourd'hui. Je salue aussi mon collègue, camarade Kavi Doulob. Alors, pour ajouter à ce qui, camarade Avinash Tilak, fin causé, moi, je peux exprimer moi aujourd'hui plus en tant qu'une jeune, une néophyte, et aussi en tant qu'une femme de Parlement. En 2019, nous fin est élu démocratiquement par les peuples. Nous finissons prêts nous serment. Quand on finit prêts de serment, finina en cérémonie, finina le président qui t'y vient cause par rapport à nos programmes qui peut étaler pendant ces 5 ans. C'était justement ce qui était un petit peu base qui nous bise à faire, nous, en tant qu'un gouvernement responsable. Mais c'était le premier choc qui, en tant qu'un jeune député, m'a gagné, c'était le boycott. Moi, je pensais que c'était une one-off situation, mais seulement, avec le temps, moi, le réaliser qu'il nous est là en face de nous, une opposition qui compte en bouder parce qu'il y a des travaux parlementaires, une opposition qui paraisse parce qu'il est capable de checker dans un sort combien de fois vous êtes boycotté dans les travaux parlementaires, combien de fois vous êtes présent dans l'hémicycle. Moi, il y a quelques dates qui sont capables de partager avec vous. Il y a un discours programme que le président vient lire dans l'Assemblée le 24 janvier. Le 16 juin 2020, nous avons un comité supply, camarade Avinash Tikozlola. Cette année, 2020-21, nous finissons un gros bill qui finit de passer. Et ce bill, qui ne peut pas faire nous, le gouvernement, plaisir, mais c'est un bill qui est justement pour la population. Qui nous fait trouver un boycott, un walkout. Le 4 mai, boycott Dr. Jagatpal, ce discours, que nous spécose, le quarantine, etc. Qui n'est pas correct, parce que le coronavirus, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à l'opposition. Le 3 août, récemment, encore une fois, camarade Avinash Finzeli, il y a encore un walkout. Population bise comprend quand nous cause la démocratie libise des côtés. Nous, en tant que gouvernement, nous finissons prendre la responsabilité pour répondre à une question dans le Parlement. Base numéro N, comme au rôle de Parlement, dire où bise le respect pour l'institution, respect pour nos collègues. Mais qui nous finit trouver, c'est une insulte, maltraité, nous gagne une cause couillon, et surtout de la part de nos dinosaures. Qui se devine tape, se l'estomac, se devine dire qui se devine dire nous, man jeune, qui 10 ans au fin élu. Et se devine intimide nous, man jeune, qui lit moi, qui lit camarade Avinash Tilak, camarade Kavi Doulob, qui lit Sandra, qui lit Honorable Tour. Nous tous nous finissons être victimes de man bullying pendant man séance parlementaire. Quand vin dire nous, allez, qui te comprend, toi, le standing orders, elle comprend ça. C'est une intimidation qu'ils ont essayé de faire pour nous les jeunes. Et là, pendant la semaine qui finit de passer, il même critique nos 3 collègues pour dire qu'ils nous finissent mettre question. Mais qui nous rôle en tant qu'un député élu? Nous rôle, ce n'est pas juste venir inciser, venir écouter les discours, les débats, oui, mais en tant que jeune, moi, circonscription, fin vote moi. Moi, j'ai le droit
vino parlement et clair si moment demandant parce qu'il m'a un moment de question. Moi pour rappeler les autres qui au début quand il commence même une question parlementaire, l'honorable Bagouane, si même mal dans la presse à le dire qu'il m'a mis 4 questions. Mais c'est mon droit fondamental en tant qu'un jeune député. Moi il a le droit pareil comme l'opposition, moi aussi mettre question, mais c'est tout à fait même droit qui m'a un collègue aussi, non? Qu'il y ait une piquée, nous avons pour le ministre, etc. Nous avons le même droit que l'opposition. Alors, si la population croit qu'il y a 3 députés gouvernement qui viennent mettre question pour buy time. Moi, déjà, là, j'ai envie de partager une de ces affaires. Aux autres, en tant que jeune, mon observation, c'est que l'opposition, on dit, peine à l'unanimité. Si on veut mettre une question, on veut que la question passe premier. Mais où est-ce que le leader de l'opposition fait? Le leader de l'opposition pose question? Qui fait bien bizarre venir faire le talatier sur question, etc., pour venir faire une démagogie. Voilà le mot que la population bizarre capable de comprendre, qui nous est l'opposition paresse et qui faut la démagogie. Après, comme on dit paresse aussi, il est bon qu'il nous comprend. Qu'il est l'opposition, qu'il est le gouvernement, nous tous les dégâts, pareil, la paix est pareille. Mais combien de fois vous êtes assis de parlement? Combien de fois vous êtes déo au parlement pour faire conférence de presse? La démocratie, c'est vous posez question ou gagnez réponse. Quand vous êtes devant, vous pouvez faire conférence de presse ou vous gagnez réponse ou pas pour gagner réponse. Venez, venez faire des ordres, venez créer. Mon amertume avec mon membre du gouvernement qui n'est pas correct. Mais moi, me tenir aussi à saluer justement, heureusement, que le gouvernement MSM-ML finit de l'avant avec ce qu'ils nous appellent un live broadcasting de parlement. Avant, tu as tout ça dans les affaires, tu n'as pas non qui tu peux donner de politique, mais tu peux apprendre pour la presse. Zodi, où il y a un live broadcasting. Et c'est grâce à ce gouvernement-là. Parce que nous avons un gouvernement qui a à cœur la démocratie. Et nous, nous pas ce que nous en l'air. Quand nous disons démocratie, we walk the talk. Sa démocratie-là, il est important qu'il fait parce que, contrairement à ce qui passait dans le Parlement, quand il y a l'opposition qui vient faire une promesse en l'air, qui peut promettre Bandimoun de haut, qui peut venir avec une formule pour embêter Bandimoun. Nous, nous venons de l'avant, le Premier ministre Sidjali, qui a envie que la population de haut trouve qui passait à l'intérieur. Il a envie de trouver comment ça déroulait, qui question, qui réponse qui passait, qui walk out qui arrivait. Zodi, la population peut trouver tout. Vous connaissez quand Mofin intégré justement le parti? Fin, explique-moi qui philosophie justement derrière mettre sa live broadcasting là, qui moi-même un membre de sa comité là, c'est pour qui la population ait accès à ban débat, l'au ban projet de loi. Et quand nous dit ça, parce qu'il y a pourtant qui population connaît qui nous peut discuter, nous, qui nous peut amener nouveau, qui peut soulager ban mauricien. Et il y a aussi important qui population trouver qui finit une participation de qu'est-ce que ce soit un membre du gouvernement, que ce soit un membre de l'opposition. Et c'est ce qu'ils nous appellent la démocratie. Nous, au niveau du MSM, nous croyons dans la démocratie. Il y a pourtant qui nous dit lui aussi, la presse, longtemps, tu peux prendre un extrait, tu peux partager. Mais ils ont dit, avec sa live TV, là, on peut trouver l'intégralité. On est capable de aller à Getli, réal checker si on rate des affaires. Mais seulement, ce qu'ils nous trouvaient malheureux, c'est une stratégie de l'opposition. Qu'ils ont une faire. Et là, avec ça, tout le fait là. Hein? Nous finissons un acteur. Nous finissons un scénario pas possible. Ils ont une vigne de l'avant, malheureusement. Ils ont une service à des outils qui nous appellent pour aller mettre TV là, pour faire ça, une show télévisée. Faire ta base, insulter, zourer, crier. Interrompre ban débat contre nous cause ban affaire fondamentale pour l'avancement du pays. Faire des ordres parce que tout ça là passe en direct. Et les bons qui population qui peut nous comprend qui ont trouvé quand on a dans parlement. Peser de papier pas ici, peut débouter, peut taper la table, peut insulter speaker, peut insulter le premier ministre. Mais tout ça là peut faire parce qu'il y a une show qui peut dérouler en ce moment. Il est carrément des fois quand on assiste de parlement ou dans une classe l'école. Vous connaissez où il y a mon bon enfant là qui assiste devant, là où il y a une partie qui est derrière. Ben, ce qui est derrière là, il est pour faire tapage. Il est pour déranger ce qui peut passer à l'intérieur de la classe. Parce que qui fait?
Ils ont envie de faire, comment dire, fun. Ils ont envie de faire ce l'intéressant, comment nous dire. Pour des ronces, justement, ce qui peut passer. Professeur pour pixo crise. Les labans, les autres, là, pas pour capable suivre classe. Parce que c'est dans une nature. Et là, qu'arrivent les résultats. Qui ont trouvé? On sait qu'ils narcissaient devant, ils mettent des questions, ils font des devoirs, ils font des bonnes affaires. Vous êtes passé. Mais par contre, on sait qu'ils font des tapas, une dérange classe tout le temps, qui arrivait. Un gros F, un fail. Et c'est ce qui, pendant deux élections consécutives, fin passé. Population fin donner un gros F à l'opposition. Et nous, nous fin là parce qu'ils nous viennent là pour travailler. Nous viennent ici pour amener man projet de loi qui pour améliorer justement la vie Bandimoun. Et là, je connais qui Bandimoun dans Bobassin, que ce soit dans Vakwa, moi aussi, je peux écouter moi là. L'important aussi qui m'a éclairci un petit peu qui passait. Parce que nous, en tant que jeunes députés, nous aussi, nous, le terrain, nous avons 10 personnes qui viennent vers nous, 10 personnes qui viennent vers nous qui passaient. Ou gagne M. Bagouane. Lili Contal porte tout dans cette circonscription. Il y a dans ce bazar, il y a à côté de chauffeur taxi, il y a à côté de son gâteau. Et vous connaissez qui y a le dire quand il y a là-bas? Il y a le dire qui guette moi, pour pas le faire une baisse de parlement. Je vais tirer mon zézodi. Je vais faire des ordres et je ne vais pas pour foutre causer. Ce n'est pas moi, c'est ça Bandimoun là qui vient vers nous dire. Monsieur Bagouane, tu viens dire ça. Et effectivement, lendemain, parce qu'il fait un rendez-vous là, pas oublier 11h30 de parlement pour faire chaud. C'est ce qui peut passer. Je peux réduire nos parlements dans un lieu que je peux faire chaud, que je peux faire cinéma. Et nous disons tout le temps, nous en tant que jeunes de parlement, moi et mon collègue, nous finissons tout le temps le respect envers sa bande senior members. Jamais nous finissons avec du respect. Nous ne venons pour apprendre avec eux. Mais quand nous apprenons, qui nous trouvait? Vous trouvez qui finit un manque de respect de la part de bande jeune de l'autre côté aussi. Là, on comprend qu'il peut-être c'est un type, comme dit Sarkozy, qui se dit, dis-le, suive canal. Alors, aujourd'hui, nous retrouvons-nous avec l'opposition. Que ce soit bande vieux, que ce soit bande jeune. Et là, justement, j'ai envie de passer un message, Lola, parce que tu as une jeune députée, Johanna Béranger, qui vient insulter mon collègue, mon colissier, mon mentor, dans ma circonscription, pour venir demander lui, est-ce qu'il est plus mari? Est-ce que c'est ce niveau-là qui nous fait arriver de parlement? Et les autres qui peuvent venir de nous leçon pour venir dire nous comment nous pouvons être capables de causer de parlement? Les autres viennent dire qu'ils ont fait 10 ans de parlement. Mais si c'est sa façon de vivre là, non, nous ne sommes pas d'accord ça, nous. Parce que nous venons là-bas pour travailler pour la population. Nous venons là-bas pour amener un débat d'idées. Besoin d'une discussion, besoin d'une conversation. Nous là pour écouter. C'est ce qui nous appelle un débat parlementaire. Mais nous sommes capables de respecter le décorum. Et me pose moi la question. Me pose le mandant de Bagouane ou de Johanna Béranger. Est-ce que, quand Bagouane finit de descendre, finit de venir côté des autres comme ça, ben écoutez. Finance bill peut voter là. Qui est de contribution? Écoutez, pour une bill peut venir concernant l'environnement, qui ou contribution? Puis n'est pas pena, mais qui se dit? Puis elle fait chaud. Et, enfin, bon pour dire autres, mais c'est moi pour soutenir ce qu'il peut venir dire. Hein. Ça, l'école qui appelle MMM là, fini. Zodi, quand vous êtes, je pas venir de l'avant avec un débat qui pour faire progrès pour nos sociétés. Pena débat d'idées. Zodi nous capable d'y aller qui MMM n'est plié en alarme. Zodi qui nous trouvait, nous trouve papa et Tifi, et que je tape Radis Bagouane. Ou bien je trouve papa et Tifi avec ce babysitter Radis Bagouane, qui pour venir là pour venir dibout pour banan. Et en plus de ça, je tiens à le redonner un fausse numéro sapo pour venir leader en l'alliance désespoir. Mais seulement, je connais qui est militant, je connais la vérité. Et militant, c'est l'essence qui était, ce essence qui fait créer. C'était pour travailler. Nous, tous les trois qui là, nous sommes aussi dans une famille travailler. Nous connaissons qui était ça travail dire. Aujourd'hui, vous venez de moi, Johanna Béranger, connais qui était ça travail dire. Moi, je lève 3h du matin, je suis capable de travailler, quitte mes deux enfants la case. Ça, je dis, pour venir de nous, leçon de travail dire. Voilà, fait comique, fait rire. Alors, il y a une cause, il y a une santé, mais aussi, je tout connais, qui
si Ventinet se sentait le man militant qu'on finit dire qu'on devant émarré nous pas pour laisser la tête tomber nous poutini. Est-ce qu'ils ont dit nous trouve ça? Non. Et me soutenir lui et c'est pas moi parce qu'il me connaît la presse pour aller dire sous Bachni la semaine dernière qu'il disait ça. Grand matin comme par hasard tout ou pour la progéniture du leader. C'est pas sous Bachni qui peut dire vous autres. C'est Zounal qui peut dire ça. Laquelle commission serait composée d'une clique coupée du terrain, alors même que des jeunes et une plus importante commission économique, vu le contexte économique, sont toujours dans la plaine. Les militants qui disent cela pensent que mettre en avant une clique autour d'une personne va accélérer l'hémorragie mauve vers les ganous au bigadou. Les militants Coltor souhaitent le retour de l'égalité des chances au sein du MMM. C'est pas moi. Population bizin capable comprend qui peut dérouler. Azodizou, quand on trouve parlement, peut faire tout pour dénigrer les jeunes du gouvernement. Qui fait, parce qu'il bizin fait, tifi papa là monter de l'autre côté. Mais nous là pour travailler, nous là pour persévérer. Et nous redialis encore une fois, qui nous pas peur. Nous pas peur question, nous pas peur à cette boulie, nous pour là, pour travail. Voilà. Merci, mon camarade. Merci, l'honorable Soubachny. Maintenant, s'il y a une même question de la part de membres de la presse, volontiers, nous, tu peux. Bonjour, Christine Anélan de Radio Plus. Zotfine évoque justement les propos du leader du parti travailliste par rapport à Britam, qui dit qu'il est dans le flou. Mais qui est réaction en tant que parlementaire quand justement les fines causes l'ont fait Angus Road et qu'il est payé à attaquer les autres parlementaires du gouvernement également. Donc qui est réaction en tant que parlementaire l'ont également. J'en veux connaître. Moi tout malheureux la façon l'opposition peut réagir lors l'affaire Angus Road. Supposément tiens une question et question là pas une réponse. L'année dernière finit à 4 PNQ. Qui n'est posé sur l'affaire Angus Road. C'est chaque PNQ au minimum, c'est 30 minutes. Chaque PNQ au minimum, 30 minutes. S'il répond 4 PNQ, au minimum, le Premier ministre, il donne une clarification, il donne une réponse presque désertant l'Angus Road dans le Parlement. L'eau, ce sujet-là. Si tu es là pour sauver avec question Angus Road, mais ben PNQ parti pour répondre dans le passé. Le Premier ministre, il finit dans le courage parce que l'IPN a nanié pour reprocher lui, ou soit pour lui cacher par rapport à ce dossier-là. Il répond dans le passé. Si question là, tu viens cette fois-ci, la réponse tu peux donner. Et laisse-moi faire ressortir parce que l'opposition, lui déclare, pas comprend. Quand une question, pas un récit, répond au Parlement, mais qui dans l'agenda, et un written answer qui besoin provide par la suite. Et ça, written answer, là, pour être provided, l'hypo officiel, ça, tout le monde, tout le monde parlementaire pour gagner accès à ça. Alors, il n'y a pas de question qui n'a pas de réponse ou qui ne répond. Ça, ben, réponse là, ça, ben, question là, il finit être posée dans le passé à plusieurs reprises sous forme de ben PNQ. Alors, moi, je pensais que, encore une fois, c'est de la pure démagogie, n'est plus connu comment pour, comment faire cinéma dans le Parlement. Et vous connaissez, si vraiment l'opposition a envie que la question là vienne, mais vous avez besoin d'être d'accord entre vous, pareil comme l'honorable David, il retire sa question pour lui permettre qui, supposément, question de Asya Baden vienne, mais si vous avez la corité entre vous, qui malheureusement vous payez là. Parce qu'ils n'ont pas pu que vous n'avez plus une position politique aujourd'hui. Ça a une pédance de ce côté. Mais si vraiment vous êtes dans l'intérêt et vous avez envie d'un élément de réponse sur Angus Road, vous êtes pour tomber d'accord et comme Soubachline dit, peut-être venir avec un PNQ, mais malheureusement, vous êtes dans l'entente même avec vous. Alors, c'est sa mésentente qui est là. Ça a une période de poser question, ça a une période de gagner visibilité, ça a une période de faire cinéma. Ce qui fait que PMQT, tout le monde connaît, lui pointe certaines périodes, les temps. Tout le monde connaît ça. Alors, mais si les temps sont écoulés. Une question qui pourrait mener une réponse à ce jour-là, si une question d'intérêt national, si une question assez complexe, qu'une réponse qui peut être donnée avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup d'éléments, qui ne demandent qu'il y prend, les temps qu'il y prend.
Alors, je me trouve malheureux qu'il y ait une simple affaire comme ça, puis une fête démagogie, puis une déclare qui, comment dire, peut cacher quoi que ce soit. À Liberton de Waza FM, un petit commentaire par rapport au commentaire du speaker, peut-être avec ce qui peut passer sur les réseaux sociaux, nous peut trouver, ça peut prendre beaucoup de l'ampleur. Au sein du Parlement, est-ce que tu n'as pas un incident peut-être qui est une trigger à demander à faire comme ça? Allez. Alors, si vous permettez moi répondre à ça, c'est que très souvent, nous avons tendance à dire une one-sided story. Okay? Bon, je vais expliquer tout à l'heure, nous avons dit dans une classe que nous avons des enfants qui font des autres, qui provoquent. Et c'est ce qui vient de passer. Si vous avez une vidéo bien, c'est ce que je peux insinuer. C'était l'honorable Bagwan qui fin provoque le speaker. Il finit insulter lui. Moi, je ne vais pas dire un terme qui lui finit servir, mais il finit insulter le speaker. Et le speaker finit réagir par rapport à cela. Je ne pas trop comprendre, même les réseaux sociaux, oui, ben, des gens pour venir de là-bas, pour venir faire des commentaires, parce qu'ils nous connaissent, c'est un fake profile qui peut venir. Mais nous sommes là-bas et nous connaissons qui finit passer. Voilà. Fernando Thomas du Défi Média. Est-ce que vous pensez que le langage employé ainsi que le ton était correct de la part d'un speaker? Moi, je pense que nous stretch sa propos du speaker là un petit peu en lié au contexte. Hein. Il est vrai que le speaker est un dialogue à tu fais, mais je pense que nous avons un bénéfice du doute au speaker quand il demande l'antenne, mon confrère Radio Plus, il vient expliquer qui la raison pour laquelle l'India lit et dans quel contexte l'India lit. Maintenant, moi, en tant que parlementaire, même mon collègue qui est ici, que ce soit du gouvernement, que ce soit de l'opposition, nous devons comprendre les affaires, nous ne sommes pas aptes pour faire commenter ou soit pour juger le comportement du speaker, nous devons faire attention à ça. Je trouve que ce soit la presse, que ce soit un parlementaire de l'opposition, peut pour le jugement, peut qualifier le comportement du speaker, nous devons faire attention. He's the chairman of the house. Nous ne sommes pas aptes que ce soit sous le standing orders ou otherwise, pour venir pour commenter ou ça fait jugement le comment il comporte lui dans l'hémicycle pendant les travaux. Et l'invite de ce speaker, son l'indien ou qui l'infant joke. Maintenant, moi, qui là-bas, comme pareil, comme mes collègues ici, nous trouvons ce qui est arrivé. Moi, ce qui m'a besoin de faire, c'est tout simplement un ticket à face value. Si le speaker, l'invite l'indien ou l'infant joke, ben, un ticket à face value qui l'infant joke. Je ne pas comprendre qui fait nous besoin de remettre en doute ou soit remettre en cause. C'est que le speaker en India, d'ailleurs, l'inéna le courage pour venir exprimer, pour venir expliquer qu'il n'est pas si nécessaire à faire. Qu'il n'est pas si nécessaire à faire, c'est un commentaire qu'il fait dans le Parlement, mais l'inéna le courage, l'inéna l'audace, l'inéna la sagesse, on peut dire, pour lui venir, exprimer l'inéna. I think, je pense que le débat est clos par rapport à ça. Hein. Mais ceci dit, il ne faudrait pas qu'il nous ait trop beaucoup focus sur ce qu'il explique en dire. Nous devons comprendre la ben, séquence des événements. Et pas juste cet événement-là en isolation. Aujourd'hui, si nous assisons, nous faisons un récap de tous les ben, travaux parlementaires, juste pour cette séance-là, juste pour cette sitting qui a commencé depuis qu'il y a eu des vacances. Le terme Bachara, prêt pour venir parliamentary words, on dit. Sa quantité fois que l'opposition servit le terme Bachara à l'encontre des membres du gouvernement, mais également à l'encontre du speaker. Mais il résiste pour mettre leader standing order, faire living parliamentary words aujourd'hui. Nous devons comprendre le contexte. Simplement pour reprendre ce que l'honorable Subhashini disait, que je te sens jeune député qui peut-être je t'ai bouli par un ancien membre du Parlement. Par un dinosaure. Ça, oui. Ou TMK ou VCRV. Est-ce que je ben, jeune député, ministre, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'ils ont besoin d'enclencher quelque chose peut-être pour sensibiliser Mme Dimoun qui dans le Parlement pendant tout ce temps-là ou peut-être pour faire la leçon, mais peut-être pour faire d'autres collègues qui sont ben, jeunes et il faut encadrer, pas seulement bully. Vous connaissez pendant le moment de discours, Mofine mentionne-lui, qui à plusieurs reprises fin traite nous, Mme jeune, de, que ce soit de mopette ou bien de mandimouna la prendre de standing order, etc. Nous, en tant que jeunes, nous faisons nos devoirs, nous apprenons standing order, nous apprenons, nous pouvons faire notre travail. Et nous, pour nous,
Vous connaissez, nous pas trop ça style, comment dire, ah, l'indien, tel mot, mais moi, sorti, moi, fait une face, la, Facebook Live, moi, dire comme ça, ah, là, vous êtes, moi, non, nous venons là-bas pour travailler, nous avons des affaires plus importantes à faire. Et l'important, ceci, c'est qu'au niveau du parti, au niveau de, du gouvernement, nous déjà être encadrés. Alors, si nous pas trouvé qui faire, moi, pensez, nous, pour besoin à faire des affaires pour de la démagogie, nous laissons ça pour l'opposition parce qu'ils sont forts là-dedans. Est-ce que le speaker du encore toujours a le soutien de la majorité parce que quand même il finit trouver qui ben l'ancien parlementaire finit cause contre le speaker, le député Arvin Boulel finit dire qu'il peut mettre un recours à la Cour suprême, il finit trouver également BBC qui finit reprend ce qui finit arriver au Parlement et aussi justement concernant vitiligo, il y a un groupe qui finit évoque ça sujet-là, est-ce qu'il pape tire vers le bas? Vous connaissez déjà, moi aussi présent là-bas, mon collègue aussi présent là-bas, moi, je n'ai pas sous l'impression que le speaker, sans le défendre, parce que je ne suis pas là pour venir défendre le speaker, il est assez grand pour faire lui, je n'ai pas sous l'impression, et je suis convaincu de cela, que le speaker, quand il fait ce commentaire, il vise physique de l'honorable Rajesh Bhagwan. Je suis presque convaincu qu'il n'y a pas une vise physique. Mais malheureusement, l'opposition, il crée une perception que sa commentaire-là, c'est pour vise physique ou soit la santé de Rajesh Bhagwan, qui m'a convaincu, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Perrault crée sa perception-là, qu'une vise, parce que laisse-moi dire, que ce soit le Premier ministre, que ce soit les membres du gouvernement, nous n'avons pas pour tolérer qui que ce soit pour le même jugement, ou soit pour atteinte à physique, ou soit la santé de qui que ce soit. Alors, encore une fois, pour moi, c'est une pure démagogie de la part de l'opposition qui peut insinuer, qui peut créer la perception que sa commentaire-là, il vise à physique de Rajesh Bhagwan, et qui m'a convaincu que ce n'était pas le cas, comme Aline dit, bon, Aline donne son explication, lui, et moi, comme je dis, on me prend son explication, comme Aline donne, hein. Mon fait dire où là? Pourquoi mon fait qu'exprime mal là? Peine à question pour remettre en cause quoi que ce soit là. Mais à votre avis, qui fait un membre de l'opposition à plusieurs reprises, je tire à l'eau le speaker. Dans une défense, je dis que le speaker biaisé dans ce jugement. Mais à votre avis, qui fait ça comme ça, que je tire à l'eau le speaker à tout venant? Tous mes camarades qui suivent la politique, encore rappel, comportement de l'opposition vis-à-vis l'ancienne speaker, Madame Anoumanji. Nous bien rappel comment type vise-li, comment type attaque-li, ce comportement vis-à-vis Madame l'ancienne speaker Anoumanji, comment il était. Pour moi, c'est une répétition qui peut arriver là. Le comportement, c'est pas le comportement du speaker au fait, c'est le comportement de l'opposition vis-à-vis le speaker. C'est le comportement de l'opposition vis-à-vis de l'institution, du Parlement, qui nous vise à remettre en cause, qui nous vise à remettre en doute. Ce n'est pas le speaker, parce que ce même comportement-là peut répéter pour un deuxième mandat. La dernière fois, c'était la même chose. Madame Anoumanji, tu peux critiquer chaque semaine, tu peux tirer tout cas tes commentaires, et aujourd'hui, c'est une répétition, c'est un comportement bis par rapport à ce que l'opposition a habitué faire. C'est une façon d'opérer, et mon patron est surprenant là-dedans. Alors pour moi, ce n'est pas remettre en question comportement speaker, c'est bien remettre en question comportement les membres de l'opposition vis-à-vis le speaker et surtout vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis du Parlement. Une question adressée à Sebastien Niroy, l'honorable Sebastien Niroy. Une fin dire qui vous êtes senti, maintenant un jeune boulide, pour un signaux, surtout un qualifié tineuseau. Quel message vous voulez faire passer à Rajesh Bhagwan et aux autres signaux qui peut-être, aux autres man jeunes, aux autres sorties, aux autres agacés par peut-être aux autres comportements, aux autres langages? Mon message, mon quoi, très clair. Pas la cause de mon parti fille un tel qui ne mérite pas respect. Mon bizarre capable d'un respect pareil que mon tout dimoun. Parce qu'il nous fait une vie de parlement, nous ici, nous fait une brigue les suffrages, moi nous dit, nous fait une élu démocratiquement, mon circonscription fait le choix. Alors,
Pas que nous venons de Paul, moi qui pouvons être timide, nous pouvons dire nous comme ça, pas mettre question, pas gagner droit à mettre supplementaries, pas participer de débat. Non, qui nous être considérés, nous ici pareil, parce que au moins nous, de ce côté de la chambre, moi nous habitons d'y aller, c'est que le Premier ministre finit dans le courage, mais de bande jeune, qui lui finit faire confiance. Mais de l'autre côté, quand vous trouvez, qui vous trouvez autour, c'est vraiment dinosaure. Hein? Et je tenais le courage, venez taper l'estomac, venez dire comme ça, qui 10 ans, je tiens de Paul, moi. Oui, mais 10 ans de parlement qui n'a mené comme concret, qui la loi de fin amené. Ils ont dit que vous êtes que nous, nous avons un jeune Premier ministre qui fin amène des affaires, qui vit une réalité où il y a un métro déroulé. Nous, la vie fin améliorée, nous fin passeport en phase qui appelle COVID, fin d'un wage assistance scheme. Tout ça là, c'est nous un travail qui cause pour nous. Nous ne sommes pas là pour faire cinéma, faire démagogie. Gêtez-nous bilan depuis que le Premier ministre vient prendre le bureau en 2016. Je peux trouver fini un progrès, le pays fin progresser. Ils ont dit salaire minimum est une réalité, pension vieillesse fin être réalignée. Mais tout ça là, vous pensez nous travail cause tout et nous pas pour rendre la démagogie. Mais qu'est-ce que vous pensez le terme langage employé par le speaker, le catch your face, comme je contacte il y a avant-hier, je vois comme ça, Radjesh Bhagwan, parce que je porte ce masque convenablement. Mais le catch your face, donc qu'est-ce que vous pensez le ce terme? Moi, je dis, il me donne une explication à la radio. Nous ne pourrons pas faire un débat, nous ne pourrons pas faire un procès par rapport à ça. L'invini, moi, je dis, il me donne une explication. Et comme je dis, vous êtes qui t'a fait ce value? Alors, moi, j'ai une question pour vous, honorable Tilleuk. Donc, vous dire précédemment que nous ne disons pas que ce que le speaker dit. Mais également ce qui Radjesh Bhagwan India avant ça. Est-ce que vous pensez que chaque action nécessite une réaction dans le Parlement? Certainement pas. Mais vous connaissez, encore une fois, et dans quoi nous avons fait dire, il ne faut pas nous prendre les choses en isolation. Ce n'est pas un incident qui est arrivé ou un obscène, c'est un incident qui peut répéter depuis que le Parlement est constitué ce mandat-là. C'est un incident récurrent. Tel est là, l'honorable Subhashini donne une date, il expliquait comment l'opposition comporte lui dans l'hémicycle, dans le Parlement. Alors, il ne faudrait pas qu'il nous prenne cet incident-là en isolation et nous analyse ça. Là. Nous disons qu'il y a une coûte qui peut arriver depuis tout le long de sa main sitting-là. Comment je te compose, qui je te fais, qui je pas faire. Moi, je dis, où tu allais là, résiste pour le mot Bachara, rentre dans Standing Order aujourd'hui. Parce que tellement, il vient une banalité pour l'opposition, n'est qu'insulter, et moi, je dis, non seulement l'opposition, non seulement le speaker, mais insulter les membres du gouvernement. Que ce soit qu'on peut répondre à une question, que ce soit qu'on peut faire débat. Quand on a un débat, nous attentifs, nous tranquilles, nous écouter, nous noter. Mais dans nous tous, quand nous faisons, nous ben débat, quand nous répondons à une question, il y a toujours un comportement désagréable de l'opposition. Alors, nous besoin faire attention, il faut dire, nous ne pas prendre les choses en isolation. Ce n'est pas un incident qui nous besoin suivre, qui peut arriver depuis tout ce temps-là. Une dernière question, vous pensez peut-être. Parlement, on peut faire en anglais et en français, nous trouvons une dégradation. Peut-être dans les propos et dans les termes utilisés par les membres parlementaires. Si demain nous mettons créole dans le Parlement, qui pourra arriver selon vous? Vous ne dites pas sur la langue qui peut être utilisée. Divine sur la culture de la personne. Divine sur l'éducation du monde. Là. Divine sur son comportement. Alors, ce n'est pas qui langage vous mettez là-dedans. Qui vous mettez créole, l'anglais, français. C'est la personne qui fait la différence et pas la langue. Vous permettez-moi de rajouter un petit bout lorsque l'honorable Tilleuk peut dire à vos questions. Avant qu'il y ait un acte de communication, il y a deux processus avant ça. Il y a ce qu'on appelle la pensée et la perception. Pensée plus perception est égal à la communication. Donc, vous comprenez ce que je peux dire ou pas. Merci. Merci beaucoup. Merci.